Bizarre, bizarre. Hein. Et tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo pour parler d'un petit leak. C'est un vidéaste espagnol. Espagnol ou italien? Je crois qu'il est espagnol, lui. C'est... il y a un autre italien qui m'avait bloqué d'ailleurs sur Twitter. Le petit truc, je me rappelle, c'était par rapport au hashtag là. Bon, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ouais, a priori, les amis. Perceval? Un nouveau Perceval? Pour la fin du mois? Ah, c'est bizarre, hein, je veux dire, les gars. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui parlent de ça depuis quelques temps. Enfin, depuis quelques temps, j'abuse, hein, depuis hier. Qu'a priori, ça serait un nouveau Perceval. Alors, le truc qui est marrant, c'est qu'on a eu Perceval il y a 3 mois, je crois, il me semble, un truc comme ça. Ouais, c'était à la Niv. Et là, du coup, tu vas me dire qu'on va se taper un Perceval UR. Enfin, c'est cringe. Genre, vraiment, les gars, c'est cringe. Mais après, c'est vrai que c'est l'un des personnages les plus probables dans le sens où bah, on est encore au début des 4 chevaliers de l'apocalypse. Il y a le cas Lancelot, c'est aussi possible, mais le problème c'est que Lancelot, je me suis informé, il y a aussi des abonnés qui m'ont dit, c'est que actuellement Lancelot, dans le jeu, il est en mode clébard. Donc si on a un Lancelot, il est en mode clébard et a priori il est pas non plus overbroken. Tu vois, dans l'animé, donc en termes de puissance, ça serait un peu bizarre d'avoir un personnage déjà en forme clébard qui détruit littéralement tout le jeu. Ça serait bizarre, parce que la forme la plus broken de Lancelot, c'est quand il est en forme humaine. Tu vois. Donc, déjà, Lancelot, c'est un peu bizarre. Donc, en réalité, les gars, il y a juste Perceval. Parce que Perceval, en réalité, c'est un peu le nouveau Mélodas de Seven Deadly Sins Grand Cross, parce que... je crois, il me semble, dans les 4 chevaliers de l'Apocalypse, c'est vraiment le personnage au centre. Tu vois, il y a aussi les autres, hein, bien évidemment. Mais en gros, Perceval, c'est le Mélodas de Grand Cross, quoi. Maintenant. Donc, après, c'est un peu bizarre parce que fin du mois, on aura. Enfin, fin de l'année, on aura quoi? On aura Mélodas en mode daron? Ça va être quoi, frérot? Il va mettre des claques à Perceval, l'aspect? Enfin, je sais pas, c'est. Les personnages sont bizarres. En fait, si Perceval, c'est le nouveau Mélodas de Grand Cross, bah pourquoi on se tape maintenant et pas fin de l'année? Tu vois? Peut-être qu'après, encore une fois, les gars, je le redis, peut-être qu'on aura fin d'année Mélodas en mode daron. Tu vois, bon, il sera broken, blablabla, on connaît les bails, ça c'est une évidence. Mais je sais pas, en fait, c'est... Je trouve que c'est un peu bizarre comment c'est fait. Encore une fois, les gars, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais c'est que le leak, il est intéressant parce que je me dis... Que sortir un nouveau Perceval 3 mois après la sortie d'un Perceval, c'est quand même étrange, hein, je veux dire, les gars. Ok. D'accord. Intéressant. Intéressant, intéressant tout ça. Donc, ouais, les gars, écoutez, mettez votre avis en commentaire. S'il y a une update sur le doc, parce que c'est vrai que ce doc, généralement, il est mis à jour. Donc, on peut avoir les personnages, mais je pense qu'ils vont mettre à jour. Quand. C'était quand du coup? C'était le 5 juin. Sur... ouais, c'est sur la... Attends, what? Ah, ok, non, on avait eu de bonheur l'anniversaire, c'est pour ça, ok, d'accord, je... bref. Ouais, c'est que c'était au mois de juin, ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, je sais pas, les gars, je trouve ça bizarre, bon, bref. On verra, écoutez, les amis, de toute façon, on aura les informations... ouais, peut-être ce week-end, il y aura peut-être des trucs. De toute façon, à partir de lundi, normalement, je dis bien normalement, on aura un petit teasing sur le Twitter, en mode... Day-3, ils vont mettre des petits trucs et tout. Je ferai une vidéo, bien évidemment. Mais actuellement, c'est vrai que c'est étrange. Donc ouais, mais ça va regarder les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche pour qu'on des nouvelles vidéos. Parce qu'en ce moment, il y aura quand même pas mal de vidéos d'information, je pense. Encore une fois, les gars, faut prendre tout ça avec des pincettes. Puis voilà, à la prochaine les BG.